encaissé de la balle avec l'accéléromètre à l'intérieur. J'ai à peu près filtré les données pour faire en sorte que la balle change de couleur et émette un son quand elle est en l'air, et qu'elle change d'une autre couleur et qu'elle émette un autre son quand elle arrive dans la main. Mais ça montre déjà bien les interactions en temps réel que peuvent provoquer ce genre d'objets.